capable de faire la jolie chose sur le terrain. Je pense que le premier essai, le plus bel essai de la saison. Ça, je suis sûr. Une rugby qui correspond à la section paloise. Après, si tu ne tiens pas le ballon, on fait la faute inutile, compliquée. Et on sait bien, physiquement en face, c'est une équipe gaillarde. C'est une équipe qui est solide partout, sur toute la ligne. Et on a besoin d'être techniquement supérieur. C'est-à-dire, on a besoin de l'investissement dans le côté défensif, les premières 10-15 minutes. J'ai trouvé vraiment bien en place. On n'était pas de ballon, mais bon, on était plaqué bas. On était bougé vite. Et on était resté bien. Mais bon, après, les essais trop faciles. On commence à perdre les zones de le plaquage un peu. Et Montpellier, c'est fort. Ben, on sait. C'est beaucoup d'équipes dans le top 14 sont forts comme ça. Et après, voilà, si tu ne tiens pas le ballon, compliqué à mettre cette équipe sous pression. Voilà, je ne regarde pas trop les résultats. Ce qui est intéressant, c'est nous, ce qu'on est capable de mettre sur le terrain. Et surtout, voilà, je le répète, il faut arriver à gagner ici pour nous déjà, mais surtout pour tout le monde qui nous suit depuis le début de la saison et qui croit en nous encore ce soir au stade. Il y avait beaucoup de monde et voilà, moi ça me fait chier pour nous, mais surtout pour tous ces gens qui se déplacent et qui continuent à nous suivre. C'est sûr que comme toutes les équipes, prendre des coups, tu faiblis et au bout d'un moment tu rends. Mais voilà, si on arrive à retrouver ce jeu de la section qu'on a aperçu tout début de match, voilà, et qu'on retrouve un rideau défensif hermétique, je pense que la fin de saison on peut se la rendre plus belle. Et je le répète encore une fois, mais ça me fait vraiment chier de perdre ici. Par fierté déjà, parce que j'ai la famille, les amis dans le stade, et puis parce que t'as les supporters qui, comme il a dit Charlie, il y a encore du monde ce soir alors qu'il n'y a plus rien à jouer. Et voilà, c'est fidèle, mais voilà, je pense que pour nous déjà, se faire plaisir et regagner, c'est hyper important. Mais pour les gens au stade et pour la ville, ça l'est aussi.